Et comme toute bonne chose a une fin, ça a l'air, on va y aller avec une pièce de M. Régent Simard, celui que j'ai joué la pièce au départ. Celle-là, c'est lui qui l'a composée. Ça s'appelle « Hommage à Marilyn Hardy ». C'est une excellente joueuse de piano de la région de Québec. We'll be right back.
Rosaire Laplante, le Fresher Reel. Thank you.
Espérance. Nous avons à devenir le peuple de l'espérance et de la joie. Tous et tout ensemble, nous devons construire l'Église de Dieu, être les témoins de la présence du ressuscité en notre monde. Levons-nous pour accueillir le Seigneur. Alors, bienvenue à la famille Garcia et compagnie, hein, avec donc l'orchestre Sol des Canada, hein, donc avec M. Garcia, son fils Juan Francisco, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous.
On a introduit donc cette messe dans le cadre du festival de folklore avec un groupe de folklore sud-américain, hein, de latino, mais qui sont aussi pour un de Saint-Marcel, l'autre de Upton, et des amis aussi, des amis qui font partie du même orchestre. Ce jour, on vit dans l'Église catholique un fait historique, hein, 4 papes réunis ensemble, 2 sont canonisés, 2 autres qu'on célèbre, hein, donc c'est un fait historique, unique dans l'Église. D'ailleurs, Jean-François, il porte le nom déjà, lui, de 2 papes, hein, Jean puis François. C'est pas rien. La maman, elle a pensé à tout. Donc, deux de ceux-là, d'ailleurs, Jean XXIII et le pape François, ont fait la une du Time Magazine, hein, qui ont été considérés l'homme de l'année à 50 ans de distance, en 1963 puis en 2013. Donc, que ce rassemblement mondial soit un rassemblement de paix, un peu comme celui que nous faisons ce matin, un rassemblement de paix, de fraternité, qui nous aide à croire au printemps, croire aussi à la vie nouvelle. Par sa résurrection. Necesitado, me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un
dit au pharmacien, il dit, « Me donneriez-vous des pilules pour la gonorrhée pour mon père? » Fait que le pharmacien dit, « Tu dois te tromper, mon petit gars, ça doit être la diarrhée, pas la gonorrhée. » Il dit, « Non, 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 mon père, c'est pas un chieux, c'est un courroyeux. » Ils m'ont dit de ne pas m'accoter dans le micro, mais je chante. On a besoin d'une dernière parole. Ah, vas-y. C'était ma question. Dans le temps de mon père, la vie était facile. La route était de terre, mais beaucoup plus tranquille. On savait se distraire, c'était pas difficile. Dans le temps de mon père, rien n'était si fragile. Dans le temps de mon père, mal habillé, des pantalons déchirés ou rapiécés, une chemise avec des trous ou plein de patchs là, de toutes les couleurs, un veston déchiré ou bien une veste de laine délavée. Et par temps plus froid, pour se cacher la fale, j'avais une vieille crémone. Puis sur les avec épaules, la corde à lui servant de lacet, de vitre, et le bout tellement usé, la jambe de bois, il circulait avec une canne à la main. Ça l'aidait à marcher. Et comme elle était courte, ben, il marchait courbé. Fait que, il paraissait plus vieux. Elle pouvait aussi lui servir de protection. On savait pas d'où il venait, puis encore moins où il allait. On le voyait arriver comme ça, tôt au printemps, et il quêtait jusqu'à la fin de l'automne, passant de porte en porte, dans les rangs, puis, dans les rues du village, il ramassait, il demandait des sous. Parfois, des pièces de deux sous. Et dans certaines paroisses, mais le notaire, le médecin, l'agent d'assurance, il pouvait récolter jusqu'à 30 cents par jour. Rarement plus, et certains jours, ben un peu moins. Il les empilait là, dans un sac, puis les entassait. Le sac passé par-dessus l'épaule et traînant sur son dos tout le long de son trajet. Il ne pouvait pas se fier sur Duplessis. Le gouvernement, rouge ou bleu, il n'y avait pas d'argent pour les quêteux. À l'heure des repas, certaines bonnes gens le prenaient en pitié et lui préparaient un goûter qu'il dégustait seul sur la galerie arrière de la maison. Son repas terminé, reportait son plat avec beaucoup d'appréciation et toujours avec sa poche sur le dos, ben, continuait son chemin jusqu'au prochain voisin. Et par les chaussées, tout en fredonnant, il voyait les ombrages. Puis du mouvement, disait, « Le bonhomme 7 heures s'en vient, oui, le bonhomme 7 heures s'en vient. » Oh, ils avaient tellement peur, là, d'être emmenés dans un endroit mystérieux, comme dans le grenier d'une vieille maison abandonnée, où les vitres sont toutes craquées, ou une vieille grange, les soliveaux sont à terre, la paille toute étendue, puis moisie, la porte défoncée, oh! Que, ben là, les parents, ils profitaient de la situation pour dire, « Hey, les enfants, là, le bonhomme 7 heures arrive, là, le bonhomme 7 heures arrive, dépêchez-vous, là, tout le monde va se coucher. » Fait la ligne nationale. C'était pas long. Gagner la Coupe Stanley. C'était peut-être un magicien ou un musicien. Il jouait peut-être bien de l'harmonica, du violon, pourquoi pas de l'accordéon? Comment mais pensait-il qu'il... C'est long l'hiver, hein, puis il fait frette, hein?
Où demeurait-il? Au pays du survenant? Dans les pays d'en haut? Au pas Saint-Marcel, hein? Il n'y en a pas de pauvres à Saint-Marcel. Était-il reconnu comme inquiéteux? Oh, j'ai vraiment pas de réponse à ces questions. Le savez-vous? Avez-vous des réponses à ces questions? Oh! Mon doux Seigneur! Mais c'est pas possible! J'aurais jamais cru. Après un demi-siècle? Hey, dites-moi que je rêve pas, là! Je rêve pas, là! C'est inquiéteux! Oui! Inquiéteux! Puis, j'ai l'impression du déjà-vu. Oui, 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 oui! Mais, c'est celui qui demande tout le temps l'hospitalité chez nous! Puis, ben, le soir, ouais. Ben oui. Le soir venu, mais il disparaissait. Le matin est venu plutôt. Il disparaissait comme ça, sans faire de bruit. Mais moi, dans le fond, là, notre quêteux. Demande la charité, notre quêteux. Ce n'était qu'un pauvre mendiant, demandait charité en passant. Une grave et terrible accident l'empêchait un jour de gagner sa vie. Et sa mère, elle est au paradis, et son père disparut. Thank you.
Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure, faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble chaque seconde, chaque parcelle de seconde, sans vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. J'ai confiance à ma veine et à tous mes amis, car je suis philosophe au lieu de ma folie. Devant une catastrophe, je me mets à chanter. Ne jamais croire, tous les histoires, mais c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie,
chérir et boire pour bien mieux, moins d'argent. Et boire plus souvent pour bien mieux, moins d'argent. Chanter dans un rire et boire pour bien mieux, moins d'argent. Rire et boire plus souvent. Maintenant, avec Marcel, on va vous emmener dans le temps de vos parents. Vous savez, la vie moderne aujourd'hui, c'est pas la vie de l'ancien temps. Fait que ça va vous rappeler toute votre jeunesse et qu'est-ce qui étaient vos parents aussi. À toi, Marcel. En le temps de mon père, la vie était facile. La route était de terre, mais beaucoup plus tranquille. On savait se distraire. C'était pas difficile. Dans le temps de mon père, rien n'était si fragile. Dans le temps de mon père, rien n'était si fragile. Dans le temps de mon père, la rivière était belle. L'eau était bleue et claire, comme le bleu du ciel. Il regardait les blés, valser au gré du vent, en écoutant chanter celle qu'il aimait tant. Dans le temps de mon père, les filles et les garçons vivaient d'amour sincère, et c'était pour de bon. Quand des larmes amères entraient dans la maison, au bout d'une prière, ils en avaient raison. Au bout d'une prière, ils en avaient raison. Dans le temps de mon père, on respectait les vieux pour apprendre à bien faire, pour vivre plus heureux. Fidèles à leurs paroles, c'était des gens bien sages. Leur vie était l'école et leur plus long voyage. Leur vie était l'école et leur plus long voyage. Ils cultivaient la terre en chantant des chansons. Suivaient toujours son père partout dans les sillons. Le soir à la lumière, près du feu qui sent bon, blotti contre sa mère, récitait sa leçon. Blotti contre sa mère, récitait sa leçon. Comment pourrait-on faire pour retrouver ce temps calme et prospère que mon père aimait tant? Je revois ses mains fières et ses yeux pétillants. Quand il disait naguère, c'était le bon vieux temps. Quand il disait naguère, c'était le bon vieux temps. Merci. Thank you.
Je ne suis pas sûr, mais je pense que Gilbert, c'est son baptême ce soir. C'est ça, Gilbert? Ouais. Baptême en spectacle. Je peux vous dire une chose, je vous annonce une nouvelle, qu'à tous les ans, il va y avoir un nouveau joueur d'association qui va venir en spectacle. L'année prochaine, il va en avoir un autre. Que ça va être le baptême. Vas-y, mon cher Gilbert. Ça ne sera pas une pièce, ça va être plusieurs pièces, mais on fait un medley. Un medley, c'est une partie A ou B d'un morceau. Puis c'est tout mêlé, là. Ça peut être 2A, 2B, je ne sais pas, là. Mais... Fait que, essayez de compter comment il va en avoir.